Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session. Donc aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver sur la carte Ijacade. N'oublions pas que c'est la carte un peu que tout le monde aime bien. Sinon, je suis sur un point stratégique avec comme arme le R870 MCS Remington. J'ai commencé un petit peu à m'en servir depuis quelques temps et je commence un petit peu à l'apprécier. Donc, vous remarquerez bien pendant le jeu que j'ai fait un bon score malgré notre défaite. Mais bon, c'est pas grave, le plus important c'est d'avoir fait un bon score. Et j'ai fait, je crois, à peu près 43-21. Donc voilà, bon, le plus important, n'oublions pas, c'est de zigouiller. Voilà. Sinon, c'est vrai que vous regardez, comme je disais, j'utilise la Remington 870. C'est une arme qui n'est pas évidente à maîtriser. Parce que bon, vous avez beaucoup moins de maniabilité. Vous avez qu'un seul et unique coup en quelques secondes. Donc en fin de compte, bah voilà. Souvent vous vous faites avoir rapidement. Mais bon, bah le plus important, c'est quand même de se faire plaisir. De dégommer quand on peut. Sans se faire tuer le plus. C'est voilà, c'est vrai que des fois on se fait tuer bêtement. Mais bon, c'est pas évident, parce que bon, il y a beaucoup de campeurs. S'il faut juste aller les déloger. Hop, là, il s'est pris un petit coup de couteau, ça déménage, comme on dit. Le temps de rechargement est un peu long. Donc, je crois qu'il y a une technique pour recharger rapidement. Il faut choisir juste un atout qui est pour recharger rapide. Sinon, bah voilà. Sinon, je sais que j'ai eu quand même pas mal de commentaires. J'ai eu quelques appels par mail de votre part pour me dire si je pouvais faire de la publicité. Donc alors aujourd'hui j'ai pas mis une seule pub de personne parce que je voulais être un petit peu j'ai pas eu beaucoup de temps déjà. Et puis c'est vrai que souvent on me demande de faire des pubs pour des chaînes en résolution qualité médiocre voire qualité photo. Donc là je vais faire un petit tuto ou une petite vidéo disons expliquant, disons, comment faire pour, pour me donner vos vidéos, enfin vos chaînes, pardon, excusez-moi, que je puisse pas faire n'importe quoi et puis que vous puissiez pas être mis en danger, parce que le problème, c'est que si je vous fais de la pub et que vous avez, je sais pas, je dis une bêtise, mais vous avez une chaîne où c'est que de la qualité appareil photo, vous voyez ce que je veux dire, bah les gens ils viendront plus après vous voir, c'est dommage. Donc le but du jeu, comme on dit, je vous dis souvent sur la chaîne YouTube, c'est on veut avancer tous ensemble, mais on veut avancer. Donc pour avancer, bah il n'y a qu'une seule et unique solution. Il faut acheter soit une carte d'acquisition externe qui coûte bon dans les 150 euros, mais bon, je pense que ça peut que vous aider. Hein. Après, il faut avoir un ordinateur un petit peu puissant aussi. Alors c'est vrai qu'on est jeune, on a 15-16 ans, on n'a pas 150 euros à sortir. Ça, je vous comprends bien. Alors, demandez ça à Noël ou à votre anniversaire, à papa ou à maman. Avec un peu de chance, vous l'aurez. Et puis, sinon, voilà. Je suis content de vous retrouver, sinon, parce que, ça fait une semaine que j'ai pas mis de vidéo. J'aurais bien voulu être un petit peu plus avec vous cette semaine. Remettre une vidéo, mais bon, le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Vous savez comment c'est, à peu près, c'est une minute, c'est pas loin d'une demi-heure, une heure de travail. Donc voilà. Sinon j'ai été chercher sur la chaîne PSN pour prendre directement la vidéo. Vous voyez, c'est plus sympa, je trouve. En fin de compte, on choisit vraiment sa vidéo, on n'enregistre pas pendant des heures. Donc c'est sûr que vous ne voyez pas le résultat à la fin, ce qui est dommage. Mais disons que vous ne restez pas derrière pendant une heure à l'ordinateur, en train d'enregistrer, arrêter, enregistrer, arrêter. Donc là. C'est nickel. Ah oui, je voulais dire aussi, sinon c'est vrai que là je voulais pas mettre une vidéo de Ijacade avec Black Ops 2. Mais j'ai pas eu trop le choix. Parce que je voulais enregistrer un jeu de voiture. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Sega Rally. Le problème c'est que j'arrivais pas à visionner. Donc sur la télé, donc j'ai dit bon bah c'est pas grave. Comme j'avais fait une vidéo il y a un ou deux jours. Je me suis dit, je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je ne sais pas si vous essayez de temps en temps le point stratégique. C'est assez sympa parce qu'en fin de compte, faut capturer le point avec tous vos amis
raison. Et ça vous permet des fois d'avoir tout le monde réuni au même endroit pour prendre le point stratégique. Et il y a même le quartier général aussi qui est assez sympa, où je ne vois pas souvent du monde, ou alors pas souvent des amis à moi. Essayez aussi le point stratégique, vous verrez. Même le quartier général aussi, c'est sympa, vous verrez. On peut faire des parties pendant des heures. Donc voilà. Donc là, j'ai pris la tourelle automatique, ce qui va me donner des fois des tués. C'est bien. Après, je vais essayer d'en faire d'autres. Et je ne sais pas si vous êtes déjà essayé au Remington. Franchement, vous devriez essayer. Parce que je vois pas souvent des gars au Remington. Et c'est une arme qui est pas évidente à faire. Bon, voilà, il y avait deux gars. Pas évident non plus parce que voilà. Voilà, ils essayent de garder la poire, c'est normal.